photo. Oui, notre Père et notre Dieu. Io tata na biso pe nzambe na biso. Tu nous as aimés les premiers. Yo linga ki biso moto yambo. Tu as quitté le ciel. Otika ki lola. Tu es venu sur la terre. Oye kati na mokili. Tu t'es identifié complètement à un homme. Yo penza okokana ki na moto. Tu es mort à la croix. Tu as versé ton sang. Okufa ki osopa ki makila na yo. Pour pouvoir nous racheter et nous ramener à ce que nous étions au commencement. Nous te remercions pour cette rédemption. Pour l'amour, pour les sacrifices, pour les souffrances. Sauver l'homme, ce n'est pas une chose facile. Ça réclame ta mort. Ezalaki kosenga kufa na yo. Ça réclamait tes souffrances. Esenga ki ba pasi na yo. Ça réclamait, Seigneur, de grandes privations. Esenga ki komi pekisa na makambo mingi nkolo. Pour le salut de l'homme. Pona lobiko ya moto. Et toi, tu as accepté ce prix là. Pe yo ndimaki talo wana. Et aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Pe lelo tobengami bana na Nzambe. Bien-aimé Seigneur, c'est pour de témoigner notre amour que nous sommes venus ce matin pour te rendre ce culte qui te soit agréable. Pardonne nos fautes et nos manquements. Si, Seigneur notre Dieu, nous avions fait quelque chose qui n'était pas correct, pardonne-nous, Seigneur. Si nous pouvions simplement penser à tout ce que toi tu as fait pour nous, nous n'aurions même pas le désir, Seigneur, de te faire du mal. Parce que tu as beaucoup souffert pour nous. Et tu nous as donné, Seigneur, la vie éternelle. Ainsi, bien-aimé Père, si d'une manière ou d'une autre nous avions désobéi à ta parole, si nous n'avions pas fait attention, Seigneur, à ce que toi tu nous as dit, parce que tu nous as dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez ma parole. Si vraiment vous dites que vous m'aimez, gardez simplement ma parole. Mais parfois nous avions désobéi. Parfois nous sommes négligents. Pardonne-nous, Seigneur. Nous réclamons ta grâce et ta miséricorde. Ne voulons plus te ramener encore à la croix. Mais Yise de miséricorde envers nous. Et accepte, Seigneur, cet amour que nous manifestons ce matin en apportant nos dîmes et nos offrandes, les fruits de notre travail, pour te dire nous t'aimons et nous t'apprécions, Seigneur. Ce que toi tu as fait pour nous, c'est beaucoup. Oh yo sale libiso eleki mingi. Ce que tu continues à faire pour nous, c'est trop. Oh zali koko bakosa libiso eleki ndelo. Et que, Seigneur, notre amour est un kolobolingo na biso ne peut pas arriver à combler la mesure de ton amour. Et koko kate kotondisa to koko kisa epimelo abolingo na yo. Accepte ces dîmes, Seigneur. Dima moko na zemi onkolo. Et bénis tes enfants qui ont mis leurs mains dans ces paniers. Pe pambola ba na yo. Tu sais, quand ils l'ont fait, ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont des factures à payer. Ils ont, Seigneur, des minervales à payer, des loyers à payer. Parfois, ils manquent même à manger. Et toi qui as dit, si vous m'aimez, obéissez à ma parole. Et demandez ce que vous voulez. Laisse que Père, après avoir donné ses dîmes et ses offrandes, si quelqu'un est vraiment dans le besoin,
Et que là où il est, il peut lever la main pour dire Seigneur, je suis dans un grand besoin. J'ai obéi à ta parole. Mais je suis dans un grand besoin. Père, regarde cette main. Tata, tala loboko yango. Qui a mis quelque chose dans ses paniers. Et qui se trouve dans les besoins. Comme cette veuve de Sarepta qui avait d'abord obéi à la parole. Toi, tu t'es souvenu d'elle. Souviens-toi et regarde ses mains qui sont vraiment dans les besoins. Que toi, tu pourvoies à leurs besoins. Que toi, Jéhovah Jireh, toi qui es venu avec ces grands livres de la rédemption, pour nous ramener à tout ce que nous avions perdu. Père bien-aimé, aujourd'hui nous n'allons pas vivre simplement dans l'espérance, mais nous voulons posséder ce que nous avions perdu. Et ton prophète dit que la foi, elle possède. La foi, ce n'est pas l'espérance. La foi, c'est posséder. Père, Tata, qu'ils possèdent ce qu'ils ont perdu pour voir leurs besoins physiques et spirituels. Et soutiens le Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et laisse que cet argent pourvoie aux besoins. Que nous puissions l'utiliser avec beaucoup de respect, beaucoup de crainte. Parce que c'est le sacrifice de tes enfants. Père David. Tata Dawidi. Quand tu l'as vu, tango monaki, c'est toi que ces soldats ont amené. Mai, oyo basoda na eba memaki, au prix de beaucoup de sacrifices. Na pasi mingi ba mimoni saki, il n'a pas bu cette eau. Amelaki mai yangote. Il a compris que ces gens, ils se sont sacrifiés. Asosola ki ete bato penza ba ndimaki ko mona pasi. Ils ont souffert. Ba moni pasi. Et il a versé cette eau comme une offrande devant Dieu. Père, Tata, accepte cet argent comme une offrande lokolambeka de leur amour, de notre amour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Alam. La sœur Meda, frère Isaac et la sœur Rose. Neko Meda, Neko Isaac, Pendeko Rose. Venez vite pour chanter. J'espère que la saison s'est déjà commencée. Hein? C'est ça. Oui. Ça semble. Je suis tien, Seigneur, j'ai saisi ta voix, me parlant de ton amour, mon ardent désir. Grandir dans la foi et être plus près de toi. Attire-moi plus près, Seigneur béni de la croix où tu Seigneur béni de
consacre-moi ton service par la puissance de ta grâce. Que mon âme t'invoque avec ferme espoir, que ta volonté soit mienne. Attire-moi de la croix où tu mourus. Attire-moi plus près, Seigneur béni, de ton précieux flanc. Avec toi, mon Dieu, quand je m'agénie, je communie en ami. Attire-moi. Tu mourus. Attire-moi plus près, Seigneur béni, de ton précieux flanc, Seigneur. Attire-moi. Attire-moi.
il y a pour l'argent une mine d'où on les fait sortir. L'or a une demeure d'où on l'extrait. L'or va dans les endroits les plus profonds pour exploiter le bien précieux. Chemin, mais qui connaît le chemin de la sagesse? Oh. Mais la sagesse, sagesse. Où se trouve-t-elle? Oh. Où est la demeure? Où est la demeure d'intelligence? L'oiseau de proie n'en connaît pas le chemin. Oh, l'œil du vautour n'est la pointe aperçue. La bravoure du lion ne l'a point saisie. La créature la plus habile n'est la point atteinte. L'homme n'en connaît pas le prix. S'achète pas au prix de l'argent. Elle ne se mesure pas au poids de l'or pur. Elle ne se donne pas en échange contre le pierre précieuse. Mais toi, sagesse, sagesse, où te trouves-tu? Aux oiseaux du ciel, la sagesse est cachée aux bêtes de champ et même aux êtres humains, elle est cachée. L'océan me dit qu'elle pointe en moi, l'abîme me dit qu'elle n'est pas avec moi. Dieu seul en connaît le chemin. Il n'y a que Dieu qui en connaît les sentiers. Quand il créait les cieux et la terre, la sagesse était là présente. Thank you.
je t'ai là. Elle me dit, avant que le son ne soit, moi je t'ai là. Elle me dit que j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Voilà pourquoi je dis que Dieu, donne-moi ta sagesse. Et oh, Dieu, donne-moi ta sagesse. Donne-la à moi. Dieu, donne-moi ta sagesse. J'incline mon cœur vers la sagesse. Dieu, donne-moi. Je m'humilie devant elle. Je dis, je veux de toi. Dieu, donne-moi ta sagesse. Viens à moi, sagesse. Dieu, donne-moi. Apportez le délice à mon cœur. Je l'aime, je la poursuis tous les jours. Donne-moi, car il n'y a rien que je puisse désirer qui soit mieux que la sagesse. Son profit est préférable à l'argent. Oh, je veux d'elle, Dieu, donne-moi ta sagesse. Tu as relié le quatre bouts de la terre. Combien je serais heureux si je la possède. Dieu, donne-la à moi. Oh, s'il te plaît. Dieu, donne-moi ta sagesse. Donne-la à moi. Dieu, donne-moi ta sagesse. Elle me rendra humble, doux, obéissant. Donne-moi sagesse. Et Dieu vous bénisse. Pourquoi accepte un substitut alors que le ciel est rempli de ce qui est authentique? Pourquoi accepte un substitut que le ciel ne rend plus de ce qui est authentique? Avec l'éternel, Dieu devient éternel. Avec l'éternel, Dieu devient éternel. Ouh, avec l'éternel, Dieu devient éternel. No!
Ok, merci beaucoup pour les chants. Matoni mingi puna banzembo. La semaine on aura une semaine de prière. Na poso togoza na poso ya mabondeli. Le mercredi, le jeudi et le vendredi. C'est sur notre rédemption. Chacun puisse avoir le moment de réclamer sa rédemption. La rédemption aujourd'hui, ce n'est pas une espérance. C'est une possession aujourd'hui. La rédemption, tu ne l'auras pas au ciel. La rédemption, tu l'auras ici. Et pas demain. Aujourd'hui. Lelo. Et Branham dit que la foi, et les gens confondent la foi avec l'espérance. Et c'est comme ça qu'ils n'obtiennent. Il y a certaines choses qu'on espère, bien sûr. Qui vont venir. Mais aujourd'hui, la foi, kondima, c'est posséder ce que tu espérais. Ezaliete okamata to osui oyuyo zalaki kolikia. C'est la substance de ce qu'on espère. Ezali osolo ya oyo ozali kolikia. Madame dit c'est avoir, posséder ce que tu espérais. C'est ça la foi. Donc la vie éternelle aujourd'hui ne l'attend pas que tu l'auras demain. Recevez la vie éternelle maintenant. Au ciel là, tu vas maintenant vivre cette vie là éternelle. Et
Même la guérison, Branham dit, si tu veux vraiment avoir la guérison, hein, possède maintenant la guérison. Atalobi konanzoto Branham alobi soki penza olingi kobiki samakati nanzoto yo kamata yango sikao. Il y a une famille ici. Zana libota moko awa. Ils avaient leur enfant malade. Ah, zala kina mwana bangwaza kobela. C'est la famille Bopé. Ezali libota yande ko Bopé. Leur enfant Joseph Adam de 3 ans était très malade. Mwana bango Joseph Adam ya mibu misato azala kobela makasi. Il faisait une drôle de diarrhée. Zalaki kolekisa libumu makasi. Que l'enfant pouvait faire la diarrhée, je ne sais pas, 35 ou 35 fois par jour. Mwana, ou plus. Ah, kokai kosala pulu pulu mbala tukumisato na mitano tokoleka na mokolo. On a amené l'enfant dans un hôpital, les médecins ont fait des examens. Bah, memi mwana na l'hôpital omoko minganga batali mwana. Ils ont dit que c'est tel microbe, c'est tel microbe. Alobi ezali microbe songolo pe pakala. Ils ont essayé de donner des médicaments, ça ne marchait pas. Bah, mais quand ils copient ça, bah qui si est en bolaki te? Ça ne marchait pas. Ils allaient être en bolaté. Alors on avait prié une fois ici ou deux fois pour l'enfant. Na boye to bonde la kiamba, la moko tomi balé po na mwana. Je suis allé à l'hôpital pour prier pour l'enfant. Na kenegi na l'hôpital po na kobonde la po na mwana. J'ai trouvé un médecin, une femme avec des infirmières. Na basungi ya minganga, ba infirmière. J'ai dit que je suis pasteur, je suis venu pour prier pour l'enfant. Na ebisie nazali pasteur, na ye kobonde la po na mwana. Elle a dit non, l'enfant est dans les soins intensifs, tu ne peux pas entrer ici. Balobi esika mwa nazali okoki kokota wate. J'ai dit juste 2 minutes seulement. Na ebisi bango minute mi balé kaka. Elle s'est dit non, tu n'entres pas. Monganga habite okokota te. J'ai dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Na ebisi likambo ezali te. Notre foi ne nous dit pas simplement il faut imposer la main. Na ebisi kondima na biso lobi kaka te te otia moto maboko. Notre foi nous enseigne que même si tu prononces la parole, la guérison peut avoir lieu. Et après, les parents ont constaté un peu que ça diminuait. Je ne sais pas si c'était arrivé à 20 ou quelque chose comme ça. Alors le papa dit, on a déjà prié pour mon enfant. Mon enfant est guéri. Je sors de l'hôpital avec mon enfant. Alors qu'apparemment, l'enfant n'était pas guéri. Le médecin dit non. L'enfant continue à faire la diarrhée. Le papa dit, même s'il continue, moi je crois que mon enfant est déjà guéri. Tata lobi, ata soki azali kokoba kosala pulu pulu ngai na ndimie ta sabikisami. Je sors. Nazali kobima. Mais est-ce que toi vraiment tu es le papa de cet enfant? Monganga tuni, yo penza ozali solo tata ya mwana oyo. Il dit oui, je suis le papa. Abi iyo nazali tata na ye. La maman est là. C'est moi qui dis, je sors avec mon enfant, je crois qu'il est guéri. Alors, le médecin dit, bon, comme tu ne veux pas nous écouter, tu vas signer un document pour dire que si quelque chose de mal arrive, c'est toi qui es responsable. Monganga lobi lokolo lingi ko kabisote yo ko tia maboko na mokanda moko pona kolobete soki eloko moko ya mabe salami yo nde osana mokumba na yango. Le papa dit oui, je vais signer. Tata lobi iyo na kokoma na kotia loboko. Eh, le papa a signé le document. Pe tata atie loboko na mokanda yango. Il est sorti. Babimi. Il sort. Tango kaka babimi. Un jour après, sima na mokolo moko, ça diminue, la diarrhée diminue. Pulu pulu kiti. Deuxième jour, Mokolami balé, ça diminue encore. Et quitte les soussous. Le troisième jour, Mokolami sato, fini complet. Et Sili Obimba. Ils m'ont amené l'enfant. Bah, mémé la kinga imwana. L'enfant pesait, je ne sais pas si c'est 10 kilos. Mwana azalaki na bozito a kilo zomi.
Je l'ai tenu, je ne sais pas, pendant une vingtaine ou trentaine de minutes. Na simba ki e minute tukumi baleto tukumi sato. Et après j'ai dit à Joe. Simana lobi Joe. Ah, parce que c'est Joseph. Pouete. Quand je l'ai vu, Joseph. J'ai pensé à mon petit Joseph qui était parti. Tango na simba ki na mema ki na kanisa ki Joseph nanga moko asakenda. Un beau garçon. Mwana mobali kitoko. Très fort. Ya makasi. Ah. Il est guéri complètement. Ça, c'est la foi. Wana ezali kondima. Un jour, l'enfant, il était dans l'hôpital. Mokolo moko mwana zalaki na l'hôpital. Un jour, la nuit, l'enfant crie, papa. Mokolo moko na butu mwana gangi tata, mama. Je sens, il y a un crapaud ici. Na zali koyoka ligorodo azali kolwa. Ah, à l'hôpital, les crapauds, d'où viennent les crapauds? Naboye, na l'hôpital, les gorodoya, où tu vas? J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, ayez la foi. Na lingi koyeb sabino ete lelo, bozalana kondima. Même dans ces hôpitaux où vous allez, atana ba l'hôpital, e payiwa pi bozali kokende. Ayez la foi. Bozalana kondima. Ne placez pas votre confiance totale dans ces médecins et dans ces médicaments. Botia elikia na bino mobimba to botia la minganga to bakisi wana motema te. Il y a des choses terribles. Makambo ya somo ezali. Il y a des médecins aujourd'hui qui sont dans des sciences occultes. Eza na minganga lelo bazakati na makambo na soloka. Vous le savez? Oui, biango. Si vous n'avez pas la foi, vous avez confiance totale dans le médecin. Ce qui osana kondimate otieli bonganga motema mobimba. Tu vas perdre l'enfant là-bas. Okobungisa mwana na yokuna. Tu vas partir là-bas à l'hôpital. Akokende kuna na l'hôpital. Toi, tu vas mourir là-bas. Yo kokufa kuna na l'hôpital. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde terrible aujourd'hui. Lelo tozali kobika kati na mokili moko ya somo. L'Éden de Satan, l'enfer. Eden ya Satana lifelo. Des médecins, des infirmiers. Minganga, ben infirmiers. Dans des sciences occultes. Bango nyoso katina makambo na soloka. Ils sont prêts à des sacrifices humains. Bango penza ba belemi bazali pene ya kupesa bato lokola mbeka. Ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël où les gens livraient des enfants à Moloch. Oh, et salama kina ba na Israël wapi bato bazalai ko kababa na bango na nzambe Moloch. En Égypte. Na Égypte. Aujourd'hui tous ces démons sont sur la terre. Lelo milimo mabenyo so an ezali kati na mokili. Vous allez lui donner l'enfant. Yo okopesa mwana boye. Et demain l'enfant est parti. Pe na simalobi mwana kei. Gardez vos corps purs. Vous allez aller tomber avec une femme. Toi, jeune garçon, qui va livrer toute ta vie. Demain, tu n'as plus d'enfant. Tu ne sais pas ces filles-là. Hein, elles sont dans des fétiches, elles sont dans des sciences occultes. Oyebite, bana basi wana basali kati na bankambo na soloka kati na bakisi. On va lui dire là-bas, allez me chercher le sperme d'un homme. Bako kende koloba na ye lukelanga momboto na bomoi ya mobali moko. Les gens des sciences, ils savent que ce sperme là c'est la vie. Ce sont des hommes et des femmes. Bato na mayele ba yebite momboto wana na bomoi ya bomoi. Satan na yebi yango. Ezali mibali pe basi. Allez, va là-bas. Hein? Naboye, kende kuna. Cherche-moi des hommes. Lukela ngai mibali. Les dieux de Moloch. Banzambe ya Moloch. Lisez dans la Bible comment les enfants d'Israël livraient leurs enfants. Botanga kati na Biblia botana ndeni bana Israël bazalai kokaba bana na bango. Leur vie. Bomoi na bango. À ces dieux-là. Na nzambe wana. Et aujourd'hui ce n'est pas fini. Lelo esilite.
Allez me chercher des enfants, toi tu vas là-bas, sans sagesse comme on vient de l'entendre. Yo, kende kolukelangai bato, yo kei kuna kozanga bwanya lokola touti koyoka yango. Et tu tombes là-dedans. Pe koi kuna kati. Vous terminez l'acte. J'ai eu un plaisir de 2 secondes. O silisi koyeba na nzoto lobi na 8 mois et sengo ya seconde mi balé. Elle reste là-bas, elle fait ses affaires, elle prend hein, toutes ses affaires là dans une petite boîte. Allez. Ya tikali ona salima kambona ya kamati mboto wana kati na mwa mulangi moko akeina yango. C'est fini. Et sili pona yo. Tu t'es vendu. Omiteki. Ève s'est vendue à Satan par un acte sexuel. Eva, amiteka ki epai na Satana na kokutana na ye na nzoto. Adam est tombé. Adama akweyaki à cause de la convoitise. Natina na bilulela. Demain après demain, oh non. Tu commences à avoir des problèmes, maladie ici, maladie là-bas, problème ici, problème ici. Lobito simana lobi okomi bokono ngambo ngambo kuna likambo epai boe epai boe. Et tout ça. Peño soana. Toi jeune fille, tu vas aller là-bas. Yo elenge mwasi okokende kuna. Non non, pour un petit 100 francs pour acheter un soutien. Pona moi franc mokama pona kosomba soutien. Je vais livrer mon corps. Et c'est fini. C'est parti. Ok. Nous vivons un âge extrêmement mauvais. Tozali kobika katine le komoko ya mabe koleka. Les chrétiens doivent mettre leur confiance totale en ces dieux-là. Jésus-Christ. Basengeli kozo elikia na bango mobimba. Peu importe les problèmes qui vous arrivent, mettez votre confiance totale en Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il vous révèle qu'il est votre rédempteur. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Dieu a voulu que ça soit une réalité, c'est pourquoi il a permis même que ça soit photographié. Ayez confiance en Dieu, regardez à lui. N'ayez pas confiance en un homme. Peu importe les difficultés qui peuvent arriver, regardez à Dieu. Il va vous accorder les désirs de votre cœur. Cet enfant-là est guéri complètement à cause de la foi hein, du papa et de la maman. Apparemment, il n'était pas guéri. Il allait rester là-bas. Et on ne sait pas. Ça allait peut-être s'empirer. Et on ne sait pas ce qui pouvait arriver. Mais la foi a guéri l'enfant. Ils sont sortis malades, apparemment. Mais le prophète a dit, quand vous avez prié, croyez que Dieu vous a accordé ça. J'ai entendu... un frère ou une sœur qui me disait ah pasteur tala babwa kelinga impese na yoka kinde ko mwa sitonde ko mbali moko alobi babwa kelinga maladi impese. Maintenant je dois aller chercher quelque part pour savoir qui et comment être guéri na sengeli ko kinde pa imoko pona ko yeba ezali ndenge nini pe nani abwa kelinga yango. Vous allez où? Qui vous a jeté l'impasse? C'est parce qu'on n'a pas la foi. Et ça peut être bateau, mais ça n'a qu'on dit maté. N'a pas qu'il y a un peu. Donc vraiment, yo, na balabala. Pas qu'il y a un peu, bon, peu, c'est pas un peu. Hein? N'a pas qu'il y a un peu, c'était.
Nous avons un sang riche. Tozali na makila moko eza bozui, eza na bozui. To makila makasi. Ce n'est pas non babwa keli yote peut-être eza moi likamu mabe kati na nzoto et ça fait ça. Hein? Un problème dans le corps ou et loko moko kati na nzoto, un microbe. Microbe moko. Alors le diable te dit, il y a quelqu'un qui t'a jeté. Et toi maintenant, au lieu de placer votre confiance en Dieu, tu commences à chercher les hommes. Voilà là où le diable veut nous amener. Maintenant tu vas aller chercher un sorcier avec je ne sais pas des... Non, amener un poulet, amener yakana maki, yakana nini. Amène les œufs. En kamata maki, wana na pakuli, wana potopoto, na opakula na siko oyoki bien. Oyoka bien te. Même si oyoki bien, après. Ayez confiance en Dieu. Il est le médecin. Il est le guérisseur. Nous élevons trop Satan, nous élevons trop les hommes par notre attitude et notre comportement. Que ça soit lui qui a jeté, je m'en fous. Je ne veux jamais le glorifier. Seigneur, il y a quelque chose de mal ici. Tu es le grand médecin. Guéris ma plaie. Parfois, si on était en Europe, les gens de la science allaient examiner ça vient d'où, c'est quoi et tout ça. On saurait d'où ça vient. Mais nous ici, nous avons toujours des croyances. Il y a une famille qui est allée au Canada, ils se sont mariés ici. Et après, quand ils sont arrivés là-bas, c'était des jeunes mariés. La sœur est tombée malade. C'est comme si le début de la folie ou quelque chose comme ça. C'est des troubles qu'elle avait. Alors elle dit non, non, pendant la nuit, je vois. Je vois telle personne qui vient. Je vois ceci. Alors, ils sont allés voir les pasteurs de l'église là-bas au Canada. Qu'est-ce qu'il y a? On voit des troubles de comportement chez la femme. Et amenons la femme à l'hôpital. Non, pasteur. Non, non. Et elle voit la tante qui vient. Mais les pasteurs disent, mais ça vient d'où ça? Makambo est outi wapio. Mais comment on va guérir ça? Non, pasteur, voilà, il y a la tante, donc il faut appeler la tante. Mais vous, vous êtes des chrétiens, ça vient d'où? Hein? Il y a la médecine et il y a la parole. Mais où est-ce qu'on va aller? Non, pasteur. Frère Dioka vient. Viens, c'est un des problèmes des Congolais, je ne comprends rien. Yaka, o ezali makambo ya bana Congo naza ko soso lelo kote. Hein, ça c'est la médecine noire. Oyo ezali minganga baindo. Viens un peu, écoute. Yaka nanu, yo kanan. Non, pasteur, voilà. Non, pasteur, tala. J'ai dit écoute. Na lobi, ce que vous racontez là, c'est écrit où? E komami wapi?
amène la femme à l'hôpital. Mais maman si à l'hôpital. Toujours des croyances, toujours des croyances. J'ai dit même si c'est l'attente. Donc l'attente se déplace depuis le Congo, elle vient ici tourmenter la femme. Et toi, tu ne peux pas la bloquer. Donc elle a la force de quitter là-bas, d'entrer dans la maison, de faire ce qu'elle veut. Et toi, tu n'as pas la force de la bloquer à la porte. Mais tiens-toi à la porte en train de prier. Vous savez, dans la plupart des pays où des frères vont, parfois, beaucoup de serviteurs de Dieu blanc ont difficile pour traiter les affaires des noirs. Tellement de croyances, tellement de trucs. J'ai dit que ta femme aller chez le médecin et après qu'elle aille se reposer quelque part dans une bonne atmosphère, elle va se rétablir. Ce sont des problèmes qui arrivent, toutes sortes de choses, dans une bonne atmosphère quelque part, elle va se rétablir et tout reviendra à la normale. Ça n'a rien à voir avec la tante, ça n'a rien à voir avec la maman, la maman de la femme, ça n'a rien à voir avec toutes ces bêtises-là. Qu'elle se repose. On va prier pour elle. Et si vous croyez, kasi soki yo ondimi, et la chose va marcher. Makambo ekotambola. Ben, ils n'ont pas écouté. Kasi baboyaki koyoka. Aujourd'hui, lelo, la femme, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Moi, c'est soki azali wapi, mobali soki wapi. Maintenant, c'est un divorce. Hein? Sikawa ezali kokabwana ya libala. Tu viendras raconter. Non, maintenant, comme la femme elle est malade, maintenant je peux. Tu peux quoi? Tu resteras célibataire jusqu'à la mort. Ayez foi en Dieu, mes amis. Il est le Tout-Puissant. Avec Dieu, nous ferons des prodiges. Peu importe la difficulté, peu importe les problèmes qui arrivent, placez votre confiance en Dieu. Regardez à Dieu. Et Dieu, quand Dieu verra que tu as vraiment confiance totale en lui, il va te donner le désir de votre cœur. Mais quand Dieu verra que tu es en train de tenter, tu n'es pas sûr, tu viens juste pour essayer, pour voir. Dieu, il sait, il voit. Si vous croyez, vous aurez ce que vous demandez. Soki bondimi bokozwa o bosengi. Amen. Nous allons nous lever. Tokotelema. Nous sommes dans notre beau livre d'Apocalypse, chapitre 5. Tozakati na mokanda na biso ya kitoko e monti le mokapwa mitano. Lisons encore jusqu'au verset 9 ou verset 10. Totanga lisusu etene liboso kino ya zomi. On se tient debout quand on lit la parole. Tango, tozali kotanga liloba, to telemaka. Les mamans, j'espère que aujourd'hui vous êtes humbles. Ba mama lelo na kanisi ete bozana komikitisa. Hein? Est-ce que vous êtes humbles aujourd'hui? Lelo bozana komikitisa. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bozana ko sosolo na lingi koloba. C'est quoi? Hein?
Soyez humble. Bozala na komikiti sa. Les hauts talons, c'est l'orgueil. Et surtout, ça commence au soulier, ça va monter jusqu'à la tête et vous ne saurez pas. Je vais vous lire quelques citations quand on va terminer. Allons-y. Ok, allons dans Jérémie chapitre 29, verset 10 jusqu'au verset 14. Jérémie 29, verset 10, verset 14. Allons-y. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, merci de nous avoir amenés ici dans ta maison pour pouvoir écouter ta parole, nous révéler ce grand plan de la rédemption. Ouvre notre cœur, notre intelligence, pour que nous puissions saisir ces grandes choses que toi tu as préparées pour nous avant la fondation du monde. Que nous comprenions qu'aujourd'hui les choses qu'on espérait, les choses qu'on attendait, aujourd'hui nous pouvons les posséder. Et nous pouvons faire valoir nos droits à la rédemption. Père bien-aimé, que tu puisses mettre dans chaque cœur ces grands désirs de posséder
accorde le Père. Au moment où nous parlons, il y a beaucoup de gens qui continuent à espérer. Ils sont dans des églises, ils sont dans des dénominations. Mais ils ne savent pas que maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on espérait. Que Dieu maintenant nous les donne pour que nous puissions en posséder. Et il n'y a que les élus qui les sauront. Accorde-nous ta grâce. Bénis la réunion. Bénis tes enfants. Et pendant que nous parlons, pendant que toi tu es ici avec nous, bien-aimé Seigneur, pendant que la parole, pendant que toi tu nous parle, laisse que par ici et par là dans cette salle des hommes et des femmes, des hommes et des femmes puissent posséder cette vie éternelle. Et que Seigneur, qu'il y en ait qui sont entrés vides, qu'ils sortent avec la vie éternelle. Accorde-le. Salayango. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Akombo na kolo Yesu Christo. Amen. Amen. Ok, à toutes les mamans qui ont obéi, merci beaucoup. Ma tondi mingi na ba mama nyoso batosi. Que Dieu vous accorde la bénédiction qui accompagne l'obéissance à la parole. Zambe apesabino lipambo lyo zaliko kende ne longo na botosi liloba na Nzambe. J'aimerais vous dire que chaque obéissance à la parole de Dieu est accompagnée toujours d'une bénédiction. Mais au contraire, la désobéissance s'accompagne aussi de problèmes et de malheurs. Frère Banam dit dans la Jabet, la Jézabel au visage fardé. Je crois qu'on pourra imprimer ça et le dimanche prochain, on va vous les remettre. Paragraphe 26, Frère Banam dit. Ainsi, Jézabel, quand elle est entrée, elle a marteler le sol avec ses petits souliers à haut talon qu'elle portait. Naboye azalaki ko beta beta ba makolo na yena sena ba sapato ba talon milayo ya lataki. Ah, vous savez, c'est haut talon king king. Obi ba talon wana ezali kolela ta moto za ko tambola ezali kolela. Hein? La première fois que Frère Banam parle de haut talon, c'est Jézabel. Bala liboso nde ko Banam azali ko ba talon milayo ezali Jézabel. Alors, elle a dit, eh bien, Akab, c'est moi qui vais m'occuper de cette affaire. Alobaki malamo Akab ngai nde nakotala likamboyo. Donc l'orgueil. Lolendo. Dans les messages Jéhovah Jireh prêché en 1961. Katinalité ya Yahweh il est yamaki na mobo atuko motoba na moko. Paragraphe 3 eteni amisato. Le prophète de Dieu dit, chrétiens, ne pouvez-vous pas voir ces démons? Mo sakolanda nzamba lobi ba Kristo bokoki komona molimo mabe ote. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la main attristée. Je me suis retourné et je me suis dit, oh Dieu, oh Nzambe, je me demande si mes sœurs pentecôtistes, je t'ai prié, oh Dieu, ne permets pas que cela arrive. Oh Seigneur, sois miséricordieux, ne le fais pas. Certainement qu'il doit avoir parlé peut-être de ces songes-là. Ne les laisse pas être emballés par ces histoires. Je suis sorti dans la rue me proposant de prendre mon déjeuner. Voici venir un homme et sa femme qui se rendaient à l'église. Et cette femme soufflait la fumée de sa cigarette de part et d'autre comme une locomotive. Vous savez, quand une voiture
Quand elle est en bon état, il n'y a pas de fumée. Hein? Mais quand le véhicule est en mauvais état, c'est la fumée partout. Hein? Alors, voici venir une grande mère qui descend la rue. Portant une paire de chaussures à haut talon. Alati sapatu moko eza na talon milai. Se dandinant comme ceci. Na kodenda ka lokola boye. Puis comme cela et ainsi de suite. Pe lokola motindo wana pe bongo na bongo. Je ne plaisante pas. Nazali ko sala ma sekite. Je cherche à vous le décrire. Nazali ko lukande ko tali sabino yango ndenge ezali. Et mon âme était très attristée. Naboye bomoto nanga ya kati eyokaki mawa mingi. Motemanangai eyokaki mawa mingi to pasi mingi. Je me suis dit, oh Dieu. Nami lobaki o nzambe. Mais voici ici en tant que ministre de justice. Talangai awa lokola mosali ya boyenge bene. Et je peux dénoncer la chose. Pe nakoki koloba likambo yango polele. Pamela. Et cela fait que les gens me détestent. Que puis-je faire, Seigneur? Que puis-je faire? C'est ton peuple. Une femme là en train avec des hauts talons. Ça triste le cœur du prophète. Et ça là qui m'ôtait ma sacoli passé. Et quand un prophète est attristé, c'est Dieu qui est attristé. Les prophètes disent, je vais dénoncer ça et puis après, les gens vont me haïr. Ils vont me détester. Qu'est-ce que je fasse quoi vraiment ça? Vous voyez, quand vous faites ça, vous attristez le Saint-Esprit. Bozali koyoki sa molimo mosantu motema pasi. Et parfois, vous allez me détester. Pe tango mosusu bokoyina ngai. Ah, mais il exagère lui aussi. Ye penza aleki si ye pe. Il croit qu'il n'y a que lui qui croit les messages. Ya kanise te kaka ye mokonda ni makasango na tango. Hein? Toutes les autres églises n'iront pas au ciel sauf ici. Masambo nyoso ba okende na lola te kaka awa. Au lieu de se tenir là, il est là en train de regarder les femmes qui entrent ici, hein, tout ça. Quelqu'un va me détester. Mais que je fasse quoi? Nous n'allons pas à un pique-nique, nous allons au ciel. Les instructions de Gabriel à Daniel. Malako, ya Gabriel et pas ya Daniel. Paragraphe 90. Je comprends aussi qu'il y aura des moqueurs dans les derniers jours. Je comprends que ce sera un temps de perplexité et les gens seront dans l'angoisse. Je lis qu'ils se rassembleront tous dans les organisations et dans la dénomination. Qu'ils formeront une confédération dans les derniers jours. Je comprends que les femmes se couperont les cheveux dans les derniers jours. Je comprends qu'elles porteront des habits courts et des hauts talons. Qu'elles feront résonner en marchant dans les derniers jours. Mais je comprends. Kasi nazali pe ko sosola. Branham dit, Branham alobi, je comprends que les mœurs seront très relâchées dans les derniers. Nazali ko sosolete bomoto na bato penze ko kweya na mikona suka. Je comprends que les prédicateurs seront des faux bergers dans les derniers jours. Na sosolete batei bakoza babate na bampate alo kuta na mikona suka. Ils feront des compromis. Ete bakotika ndamo na liloba. Ne nourriront plus les gens de la
parole de Dieu. Mais je comprends aussi qu'une voix se fera entendre dans les derniers jours. Qu'elle appellera les gens à revenir au message originel. Est-ce que vous voulez écouter cette voix? Si vous écoutez, Dieu va vous bénir. Le christianisme contre l'idolâtrie. Paragraphe 171. Cela prend 5 jours. Pendant cette période, on organisait les cirques romains. Ils adoraient le dieu soleil. Ils disent qu'à la place du dieu soleil, ils prenaient le fils de Dieu. Ça, c'est les catholiques. Et le tout est du paganisme au départ. Et les gens dans les rues, avec leurs chaussures à haut talon, parcourent les rues en se tortillant et se pressent pour entrer dans les magasins. Des souliers à haut talon, des visages maquillés, des redingotes, des verres, c'est le prophète qui parle. Au talon, des visages maquillés, des verres à pied de whisky, tout cette affaire-là. Aujourd'hui, ta postérité possédera la peau de l'ennemi. Frère Branham dit, Dieu appréciera aussi un homme qui restera ce qu'il est. Soyez des chrétiens remplis du Saint-Esprit avec la parole de Dieu, sinon oublions ça. Autrement, vous serez un hypocrite tout en menant une vie différente. Les gens vous voient aller aux soirées dansantes, fumer des choses semblables et vous prétendez être chrétien. Alors vous voyez, vous placez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un d'autre. Vous les femmes, parfois vous coupez les cheveux. Vous avez un habillement. Vous êtes en petite robe bizarre. On dirait des saucisses de Francfort. Baboudin à Francfort. Ou quelque chose comme cela. Vous sortez dans la rue. Vous vous promenez avec des hauts talons. Vous dandinez dans la rue. Est-ce ça la Pentecôte? Les noces de l'agneau. Oh non, Frère Branham a parlé simplement une fois. Je vous lis encore beaucoup. Paragraphe 87. Si aujourd'hui vous voyez un homme qui est censé être un saint homme, et que vous voyez sa femme apparaître là, ressemblant à la première dame, avec l'une de ses énormes coiffures ressorties, un truc là, on ajoute, je ne sais pas quoi, ça devient. Avec une histoire rouge d'un côté, une histoire verte de l'autre côté, donnant l'air de quelqu'un qui a reçu sur la bouche un coup de brosse à peinture. Langue à pembe, peinture.
et toutes sortes de choses semblables. Elle descend dans la rue, vêtue d'habits qui la sert comme une saucisse de Francfort. Et elle porte des chaussures avec des talons hauts, se tortillant et se dandinant dans la rue. Vous diriez que ça c'est la femme d'un saint homme? Toi, homme qui laisse ta femme comme ça, et tu dis que je suis un saint. C'est Branham qui parle. C'est Dieu qui parle. Pouvez-vous dire amen à ce que le prophète a dit? Présumé. Frère. Neko. Je vois ces gens marcher dans les rues sans pudeur, avec des coups tendus. Des hauts talons à peu près comme ça. Des femmes avec les derrières ressorties et tout autour comme ça. Hein, c'est les prophètes. Hein? Des hauts talons là derrière là. Ting, 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 ting. Et une femme m'a dit, elle portait ses petites jupes. S'arrêtant juste à mi-cuisse, elle dit, Branham. Ah, c'est le seul genre d'habit que l'on fabrique. Ah, ezala ki katikati na mopende alobi Branham, yangonde lolenga ya bilambo bazali ko sala. On fabrique des machines à coudre et on vend encore des tissus. Na yebisie ba machine yo batonga kanango bilamba ezali nano pe bilamba batonga te ezali nano. Voyez-vous ce sale vieil esprit qui est en vous. Omoni bombo molimo ya kala bosoto ezali kati na yo. Sale. Ya bosoto. Des hauts talons. Ces hauts talons, ça a commencé. Qui a créé ça? Quel était l'esprit qui était derrière les hauts talons? L'orgueil. Lolendo. Hein? La manière d'un vrai prophète. Branham dit, si je vendais ce genre de jupe à l'ancienne mode. Branham a dit, ce qui n'a été qu'à qui va jupe au Lolenge na Kalakala. Style Maman Michel. Le cola au Maman Michel à Zalek Oteka. Aux femmes d'aujourd'hui. Nabasi à l'élo. Pensez-vous qu'elles achèteraient? Absolument pas. Elles veulent bien quelque chose où elles peuvent être moulées. Balingi et le komoko et koko kangabango. C'est ça ce qu'elles veulent. Yango no bango balingi. Hein, une grande jupe là. Et jupe moko monene wana. Elles n'en veulent pas. Bango balingi yango te. Elles veulent quelque chose là. Balingi loko moko. Oh, vraiment et kangiyo pensa et kangiyo. Ça t'a vraiment serré. Et simbiyo pensa. Ça te va vraiment. Et c'est ça le langage. Yangonde et lobeli. Elles veulent être en habit serré. Balingi kola tabilambo esa kokanga bango nzoto. Circuler dans la rue. Kotambola balabala. Environ 4 ou 5 degrés, ouais. C'est dandinant. Na kotambola kana kodenda kana balabala. La partie arrière mise en évidence. Et teni ya sima kotali sa sima. Sima na bango kotali sa mapolele. Sous les effets des hauts talons. Likolo ya ba talon milayo bango balati. La tête en l'air. Moto likolo. Je ne dis pas cela pour faire une plaisanterie. Ce n'est pas un lieu plaisanté. C'est la vérité. Je n'ai pas une bonne instruction. Mais c'est l'unique moyen pour moi de me faire comprendre. Aujourd'hui, elle n'achèterait pas ces robes-là. Des hauts talons, des trucs qui collent au corps. Et quand elles sont en dessous, et quand il y a un autre point, tant que vous avez autant de là. Voilà. Botala. Le signal rouge. Il est moins motané. Esaïe 5 parle du niveau qu'atteindra l'immoralité des femmes dans les derniers jours. Isaïe mon capomi tano esali kolobantina na bomoto nenge ko beba na mikona suka. Comment elles s'habilleraient, comment elles arrangeraient leurs cheveux. Nenge ni basi bakolata, nenge ni bakoba.